Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur The Legend of Zelda de Wind Waker. Aujourd'hui, c'est toujours la galère. Je ne sais toujours pas où il faut aller. Je suppose qu'il faut aller par là-bas, mais je suis pas sûr. Il me reste très peu de mana, de magie, pardon. Mais je le sens très mal, genre on va essayer quand même, hein. On sait jamais, ça se trouve c'est bien par là. Si c'est bien par là, bah on emmènera, avec le sort, on emmènera du Mori avec nous. J'espère que c'est par là. Du coup les gars, c'est parti. Ça va nous faire voler extrêmement haut. De toute façon c'est le but, hein. Sauf que là, on va tomber, on va se laisser faire. Ah yes. Ah oui. Pardon. Et merde. Là, la gaffe qu'il fallait pas faire. Voilà, enfin. Évidemment, ici, si c'est bon, il y a de la magie. Donc, est-ce que c'est bien par là? Yes, c'est par là. Enfin, on est débloqué. Les gars, on est débloqué. On n'a plus qu'à reprendre le contrôle du Moria, attendre le moment propice et venir. Ah là, du coup, il y a le vent. C'est quoi, vu que du Moria est lent, on va attendre que le vent revienne. Voilà, et on va y aller juste après. Vu qu'on n'a pas besoin de monter, là, le but, c'est vraiment d'aller tout droit avec du Moria. Je devrais pouvoir y aller facilement. Si tout se passe bien, normalement... Eh merde, et bah justement, c'était pas facile. Et le pire c'est que là je vais tomber. Voilà, je tombe, bon. Attends, je vais attendre que le vent repasse et après je vais utiliser mon machin là pour aller juste en bas. J'ai juste allé en bas. Non par contre, du Moria, fais pas n'importe quoi s'il te plaît. Dès que le vent s'en va là, j'y vais. Allez, 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 voilà, go. Nickel. Ok, bon, nickel, on a réussi. Alors par contre là, j'ai un truc à faire. Link, je pense que tu devrais pouvoir planter ton grappin dans les arbres que j'ai fait pousser. Et c'est un peu... Oui, je sais, t'inquiète pas, je sais. Ah oh merde, il fait apparaître des mobs. Et en plus, c'est des chauves-souris que j'aime pas. Putain! Putain, il en faut des coups pour rien. Ah, mais oui, c'est vrai que c'est celui qui fait apparaître les mobs. Il lui en faut des coups pour mourir celui-là. Oh. Bon, bref. Donc normalement avec le grappin on devrait pouvoir grimper, nickel. Bon bah du coup on a presque fini le temple. Ça c'est une bonne nouvelle par contre. Oula putain, non 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 non. Pas maintenant, pas maintenant. Alors par contre j'ai peur que les mains soient là, encore. Les fameuses mains. On va se préparer en conséquence. Et la massue, on va la mettre comme ça, voilà. Ouh, excusez-moi pour la petite alerte CC Cleaner. Excusez-moi. Non, c'est bon. Ok. On va reprendre la baguette. Parce qu'il faut bien, qu'il nous rejoigne, du Moria. S'il nous rejoint pas, je me demande comment il va faire. Hein. Mais ouais, on a presque fini le temple. Et ça, c'est bien, par contre, les gars. Parce que je commençais à plus en pouvoir. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content que le temple soit bientôt fini. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point. Enfin, je vais être tranquille. Ce temple, j'en ai marre, ce temple, très clairement. Je pense que vous le savez, j'en ai un peu marre. Allez. Oula. Merde, c'était pas prévu. Non, mais non, évidemment que ça lui fera rien. Si je veux lui faire quelque chose, il faut d'abord que je l'attire.
avec ce machin. Du genre. Non, évidemment, ça lui fera rien, je lui ai dit. Putain. Si, nickel, c'est ça qu'il fallait faire. Ça l'éteint. Nickel, ça l'éteint. Nickel. Alors. Les autres, je peux pas le faire. Oh, les enfoirés. Et le pire, c'est que. Bon, bah, pas le choix. En plus, c'est du Moria qui. Oh merde, c'est du Moria qui peut y aller. Je peux pas faire ça sur eux, hein. Non. On va essayer une dernière fois, mais. Oh putain. Bon bah, ma petite Dumoria, t'as pas le choix. Désolé. Bon, t'inquiète pas, Dumoria, de toute façon, c'est presque fini. On y arrive presque bientôt, à la fin du temple. Mais malheureusement, j'ai pas le choix de la faire venir avec moi, sinon. Eh bah, on va pas pouvoir monter parce qu'en fait, il faut que. Je l'ai eu, hein. Faut qu'elle plante ses graines, en fait. Mais si elle se fait toucher, par contre. L'argent direct par contre. Si elle se fait voir. Bon voilà, déjà on va faire ça déjà. Voilà, nickel. Ensuite. Putain, c'est passé sur son corps. Putain, mais sérieusement? Ah! Eh bah dis donc! Il aura fallu des essais pour que ça marche. Tu pourrais revenir toi par contre? Non mais alors ça par contre. Sérieusement. Bon. Il va repasser. On va pouvoir le prendre cette fois-ci. Je le sais. Non mais oh! Non. Ok, donc là c'est bon, on a fait le minage. Du coup, Dumoria va pouvoir y aller et elle va pouvoir du coup il, parce que c'est pas une fille, il va pouvoir s'occuper tout simplement de planter ses plantes là. Parce qu'on a fait le monde, on a fait le ménage. Là, il peut y aller l'esprit tranquille. Il ne causera aucun ennui. Ah, il y a encore une main ici, par contre. C'est-à-dire que si j'y vais, en gros, bah. Eh ben, il risque de se faire niquer. Ça va être chaud. D'y aller sans se faire niquer, ça va être chaud. Pour cette fameuse main. Je reste pas là. Hein. Je reste pas là où il y a la main. Imaginez, il arrive et il nique Dumoria. Eh ben, faut que je retourne le chercher. Pas tellement envie. Allez, on y va. T'inquiète pas, Dumoria, j'arrive te rejoindre. Nickel. Par contre, on va préparer notre équipement de défense contre les. Ces monstres-là. Enfin, contre les fameux, vous savez. Non. Ah, ça il nous a détecté. Boum. Voilà, bon, nickel. Ah, cette technique est tellement jouissive par contre. C'est facile de les tuer avec cette technique là. Elle est assez dangereuse si on l'effectue mal, si on n'a pas le bon moment pour les étourdir en fait. Si vous n'avez pas le bon moment pour les étourdir, vous pouvez dire adieu cette technique. Mais elle est quand même très utile. Évidemment, il n'y en a pas d'autres. Oh, excusez-moi, j'ai mal géré par contre. Voilà. Bon. C'est nickel. Ok, il n'y a pas d'autre main. Très bien. Bon, il n'y a toujours pas de magie, ça c'est pas ça par contre, c'est pas cool.
Ah si, voilà. Bon. Viens avec moi, du Maria. On l'a presque fini, les gars. On l'a vraiment presque fini. Ah ouais, mais c'est chaud là en fait, parce que... Faut faire quoi en fait encore? Qu'est-ce que c'est que c'est encore cette merde? Ah, d'accord. Mais oui, bien sûr. Ah bien. Alors, par contre, il y a mon ordinateur qui commence à faire du bruit. On va attendre que le vent s'arrête, mais oui, bien sûr. Évidemment, regardez. On descend tout en bas. D'ailleurs, on s'est fait très mal. Mais on tombe. Et d'ailleurs, on tombe tous les deux. Nickel. Et regardez. Ah, là, voilà notre petite clé. Là, ici. Oh, petit. Ah, attendez. Donc, déjà. Évidemment, il fallait qu'on se trompe. Ah, évidemment, je vais finir par mourir, ça continue. Et évidemment. Ah, c'est chaud quand même. Bon, il est où ce connard? Ah, juste là. Ah, juste là. Ah, nickel. Au revoir. Mais oh! C'était entre guillemets une salle intéressante. Faut monter tout en haut et actionner et faire l'actionnement, d'accord? On va par contre récupérer du heal parce que là, je dois vous dire que c'est un peu la merde question vie là. Bon, bah j'ai pas pu récupérer le dernier cœur, c'est pas grave. De toute façon, il y a des pots un peu partout. Avec donc des petits cœurs. D'accord. Mais oh. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit actionnement à faire en haut? Nickel. Nickel. Ok. Open. On peut aller là. Ah, raté par contre. Parfois c'est un peu compliqué hein. Ah bah regardez. Nickel, c'est ici qu'il faut aller. Faut aller sur ce machin. Et évidemment pour activer l'interrupteur. Nickel, ça ouvre la porte. Je sens qu'on va encore avoir besoin de ça. Du Maria, tu viens venir avec moi, de toute façon t'as pas le choix. Il y a un coffre d'après ce que je vois ici par contre. Pff, j'ai un peu la flemme de chercher, hein, je vais vous avouer. J'en ai tellement marre de temple, ouais non j'ai trop, j'en peux plus. Les gars, il faut qu'on finisse ce temple le plus vite possible. Parce que je n'en peux plus, ça fait 3 épisodes qu'on est dessus. Allez, bye bye. Alors, toi, tu restes là, comme d'hab. Tu me laisses m'occuper des mobs. Donc, déjà, on va préparer. Donc, ça va aller en haut. Je vois qu'il y a des ennemis qui servent des bombes. Allez. Bon, déjà. Nickel. Déjà, on s'est occupé des premiers, là.
J'ai envie de vous dire. Oh, pantibandit du bonheur. Il est mort. Mince. Oh merde. Oh non. Pas les mains comme ça, s'il vous plaît. Je déteste ces mains. Ces espèces de mains qui sont sous le sol. J'espère qu'il va pas attaquer du Moria. Ou j'espère qu'il n'y a pas de nain. Parce que sinon je suis dans la merde encore une fois. Comme je vous le disais, j'aime pas trop être loin du Moria. Oh merde. Putain, il veut vraiment ma mort lui. Hein. Bonjour. Oh non. Voilà. Bon, au revoir. Voilà, nickel. Bon, allez. Il y a encore une main là-bas. Je peux pas l'éliminer, c'est chiant. Elle est juste à côté du machin. Ça va être chaud. Hein. Y a pas le choix malheureusement. La main à la boîte à côté, j'ai pas le choix. Putain, ils veulent tous. Ils veulent vraiment me faire flipper les mecs. Hein. Là c'est ça. En gros, faut que je prenne le contrôle du Moria et il faut malheureusement que je la fasse avancer. Pour tout simplement me faire passer. Malheureusement, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que si elle se fait choper par la main, bah je suis dans la merde. Alors les gars, par contre, du coup, vous le savez, je suis pas du genre à faire ça tout le temps. Mais avant de le faire, je vais tout simplement faire une sauvegarde avec l'émulateur parce que j'aurais tout simplement pas l'envie de le refaire. Si jamais il y a un blème, c'est se fait choper. Donc les gars, vous le voyez, voici l'émulateur. Émulation, sauvegarder l'état, étape 3. Voilà, j'ai sauvegardé. Excusez-moi, vous voyez mon superbe fond d'écran. Bon, j'ai sauvegardé l'état. Ah merde, je me suis fait déjà fait avoir. On va redescendre en bas. Je me suis déjà un petit peu fait avoir. Bon, on va remonter. Ça va être chaud. Je vous avoue que ça va être chaud. Yes. Nickel. Non, j'ai pas potentiellement envie d'aller voir la main. Pas du tout. Bon. Nickel, on va pas s'occuper de la main. Alors, mes flèches, déjà, on va préparer les flèches. Non, de glace. Voilà. D'accord, ok. La massue. Nickel. Oh, il y en a des salles dans ce temple, hein. Pas content. C'est un putain de temple, hein. Bon, on sait jamais. Si jamais il y a un problème, on va le faire comme ça. Alors cet épisode sera peut-être un peu plus long et il sera peut-être pas upload à la même heure que d'habitude, ça va dépendre de si j'ai le temps de la faire le montage. Si ça se trouve, il n'y en aura même pas du montage. Hein. Je le ferai peut-être pas exceptionnellement pour un épisode, peut-être. Je vous avoue que je sais pas trop. J'aimerais bien quand même vous fournir cet épisode pour demain, mais pour jeudi en gros. Je sais pas. Yes, enfin, on y arrive. Regardez, on y arrive. Ah putain, je me suis fait avoir. Ah, complètement bloqué. Bon déjà, hop là.
Donc sa dernière ligne droite avant le mini boss, je crois ça. Enfin le boss final quoi. De ce temple, je crois. Dans le doute. Mais vraiment, c'est tellement chiant ce temple. Il y a des fois où j'ai vraiment plus envie de jouer. Hein. Bon allez, c'est reparti. Du Moria, tu viens avec moi. Tu sais ce qu'il me reste à faire. Oh putain, mais non. Aïe aïe aïe. Je peux te balancer. Eh bah non. Il va se faire envoler. Il est où? Ah il est là. Ah y'a pas le choix du coup hein. Pas le choix. Faut faire attention. Si on fait pas attention, non merde. Bon bah tant pis hein. Le boss sera pas dans cet épisode, ça c'est sûr et certain. J'aurai pas le temps. Mais au moins, vous savez, que vendredi on finit ce temple. Définitivement avec le boss. Aujourd'hui on finit ce temple en termes de... Eh merde. Bon, c'est sûr et certain. Ça va 2 minutes, mais c'est sûr et certain du coup. On pourra jamais passer à cause de ce bloc là. Il nous faut un deuxième bloc. Putain, ils sont trop rapides les blocs. On pourra jamais passer. Ça va être chaud de passer avec du Moria. Bon déjà non. Mais putain. Ouais non, c'est impossible. C'est impossible. On pourra pas passer comme ça. J'ai en train de perdre toute ma vie à cause de ça. J'ai presque perdu toute ma vie avec cette épreuve de merde. Merde, mais je peux pas faire. Ah. Je peux pas faire ça. Putain, mais il est où encore? Il est où ce con encore? Oh, il est là. C'est la dernière ligne droite et je bloque. C'est dur hein, en fait. On n'y croit pas, mais c'est dur. Hein. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Je vais me servir de ça pour l'empêcher justement de s'envoler. Vous voyez, il peut pas se barrer là, du coup. Ensuite, je vais me servir de ce bloc là. Yes. C'est bon. Je suis entre guillemets débloqué. Bon, excusez-moi pour la caméra. Bon, allez. Comme je vous l'ai dit, on a presque fini. J'ai enfin compris ce qu'il fallait faire. En fait, il faut se servir du slug là-bas pour l'empêcher en fait de partir du Moria. Le plus compliqué en fait, c'est de faire passer du Moria. Une fois que du Moria sera passé, ça sera bon. Voilà, allez, hop là. En fait, le plus compliqué, c'est le vent. C'est effectivement le vent. Allez, c'est reparti. Bon, on a presque fini, les gars. C'était long, mais on a presque fini. Nickel! Alléluia. Wow, alors par contre, hein? Voilà.
Non, c'est pas ça. Non. Ah. D'accord. Je m'étais trompé. Ah ouais. J'ai inversé que l'hymne de la Terre en fait, j'ai inversé un peu. Alléluia! Yes! Enfin! Ah oui, 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 oui. Bon. Les gars, on va s'arrêter là. Je ne peux plus. Mais vraiment, psychologiquement, je n'en peux plus. C'est très dur pour moi. Ah yes! Une fée. Non, j'ai une deuxième fée, justement. Je voudrais une deuxième fée. Nickel! Ça me fait deux fées. Oui, vous allez attraper en fait dans votre flacon. Assigne le X, Y, Z ou X. Voilà, bon. Bon, bref, je vais pas vous embêter plus longtemps. Bon, il faut savoir, les gars, que je ferai pas de montage dans cette vidéo. Il y aura pas l'intro. Il y aura pas les petits fondus. Bon, je sais pas si vous en prêtez très attention. Mais il y aura effectivement pas trop de montage dans cette vidéo, puisqu'il n'y en aura pas du tout. Sinon vous l'aurez pas pour demain. Donc je plotte ça pour demain, comme d'hab. Et puis bah évidemment, vendredi vous aurez votre deuxième épisode, vous aurez votre épisode annuel. Donc enfin annuel. Non, vous aurez votre épisode quoi de la semaine, vous aurez l'épisode de vendredi qui lui par contre aura son montage, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit accès, vous plaît bien, c'est ça. Oula, j'ai pu parler. C'était ça sur ses amis, portez-vous bien, allez bye bye tout le monde.